Hein? Quand tu veux quoi? Quand lui donne un mot de tête. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu es comme ça? On n'a pas mot de tête. Tu as tapé la tête ou tu as un mot de tête? Tout comme ça, rien là-bas. Oui, donc vous êtes une personne. On peut avoir les noms des 10 personnes? C'est ton mari là? Oui. René, c'est qui ton fils? Mon fils. Oui. Il s'appelle aussi. Oui. Mais tu reconnais pas tu es 10 personnes. Hmm? J'explique pourquoi on a mémoire, j'explique. Ils ont une mémoire parce que quand tu tues quelqu'un, ils savent. C'est noté. Ça force les sangs dans des grades. C'est pas ça? Quand vous donnez quelqu'un, tu sais comment tu as tué. Voilà, c'est quand tu vas à la chasse, tu sais que tu as tué tant de choses, c'est noté. Et puis tu as tué 10 personnes. Vous voyez quand c'est dangereux la sorcellerie, il y a Thierry dedans. Et tu as fait quoi à part 10 personnes tu as tué? J'ai regardé mes enfants. Lequel? Mon grand-fils. Il est où? Il est à Abidjan. Il fait quoi? Il était ingénieur. Oui. Où? Oh. Il était ingénieur à Yonsoukou. Oui. Il faisait quoi? Il était à Zata. Oui. C'est pas lui qui a fréquenté en Russie, là? Oui. Hein? Oui, c'est lui. Ah. Tu voulais le manger 2 jours, là, non? Hein? Tu voulais le manger, non? C'est lui qui s'est occupé de moi, le frère. Non, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai besoin de oui ou de non. Il n'a pas dit qu'il a fait quoi pour toi. Ton mari même qui t'a s'occupé de toi, tu l'as mangé. Ça faut laisser faire de m'occuper de toi. Laisse ça. Tu voulais le manger dans cette temps-ci, n'est-ce pas? Hein? C'est moi qui lui ai dit ça. Hein? Tu m'as dit, quand tu es venu ici, je me suis occupé de toi. Elle est venue sur ta bouche, elle était comme ça menti. Hein? On dit de venir, je ne suis pas sorcier. Je suis quitté. Parce que moi ici, il force personne de parler. Mais j'ai déjà prié pour lui. Et je savais qu'il allait mettre tes pieds ici. Je savais ça. Tu reconnais? Oui, je reconnais. Tu as gâté son travail. Tu as gâté ça? Tu lui as donné un problème. Terrain, là, il a un problème de terrain. Tu as gâté ça. Il ne s'occupe pas de toi. Il s'occupe de moi. Et pourquoi tu fais ça? Je vous demande s'il vous plaît. Et puis tu les gâtes. Et pourquoi? C'est que les sorciers ont demandé. Et tu dis pas non. Quand tu dis faut gâter, tu gâtes. Tu ne sais pas dire non. Non. Tu as gâté son mariage. C'est ça? Il est marié. Non. Il avait une femme à Yann Soko, tu as gâté ça. J'ai réglé le problème de seulement qu'il départ, il dit de venir. J'ai réglé le problème ici. Il t'a pas dit le prophète dit de venir. Il m'a dit qu'il y a un prophète ici. Il soigne les gens. Il va te soigner. Mais la société, c'est une maladie. La sorcellerie, c'est une maladie. C'est pas maladie, la sorcellerie. C'est maladie. C'est maladie. Comment tu peux regarder ton fils de manière sauce à qui? Eh, foutu banane nuit, moi, c'est une âme. Et tu l'as gâté, c'est ça? Oui, t'as fait quoi? Je te demande. Il a dit que je l'ai gâté. Oui, mais c'est pas, je l'ai gâté. Tu as gâté quoi? Je l'ai gâté en gâteau. On lui fait bonne chose, c'est la sorcellerie, vous faites tous les enfants. Gâteau, les papiers. Hein? On lui fait bonne chose, c'est la sorcellerie. Oui. Ça veut quoi? J'ai gâté ses papiers. Comment? En mettant du charbon dessus. Du charbon sur son papier. Et puis qu'est-ce que c'est devenu? Tu l'as noirci. C'est ton propre fils. Il ne s'occupe pas de toi. Il s'occupe de moi. Il ne s'occupe pas de toi. Non, mon fils, même. Non, il s'occupe de toi. Il va enlever l'argent là où vous te soyez. Hein?
Un grand projet comme ça, ça a échoué. C'est tombé à l'eau. Des millions de francs qu'on veut lui donner, c'est tombé à l'eau. Le camp est à prison dans ça. Oui? Il doit faire la prison. Pourquoi tu fais ça? Je vous demande, madame. Rien, et vous n'avez rien, comment vous n'avez rien? Hein? C'est pas ton fils. C'est pas mon fils. Ouais, pour toi, il a fait un jour dans le ventre. Il a fait combien de jours? Il a fait 9 mois. Ah, 9 mois. Il est venu un coup, il n'a pas souffrance. Il n'a pas souffert. Il a souffert. Maintenant, lui, il vient dans souffrance et tu le gâtes. Comment tu vois ça? Hein? Toi, tu vas en Suède. Ah, où là? C'est Suède, non? C'est là, t'as fini. Vous emmerdez les gens. Ils sont en paix chez eux. Vous emmerdez. Vous êtes sorciers. Hein? On doit vous prendre. Mais toi, on a déjà fait sa délivrance, non? On est pas derrière, pas dans la sorcellerie. Viens ici. Il n'avait pas dit quoi? Il n'avait pas quoi? Si pas dit plomb, m'a dit. Et pourquoi? La grande est hein? La grande. Et tu allais la prendre? Et pourquoi? Pour rien. Ça habite pour les photos des enfants. Oui? Quand je suis parti, j'ai arrivé à ma maison, j'ai chipé. Toi-même, tu as une lèvre encore. Comment on va casser ça là, c'était bon. Il dit quoi? Je suis parti pour ma petite. Quand il a trouvé sa maison, c'est sur ma chico. Comment ça t'a géré? Et pourquoi tu es venu prendre ta fille? Ma grand-mère est trop bonne. Tu veux pas dire non? Donc tu aimes la sorcellerie? Non. Hein? Elle m'a dit, si elle me fait, elle va me donner tout ce qu'il veut. Et tu veux pas dire non aussi? Qu'on ne peut pas sorcellerie. C'est là pour toi, on a prié là, toi? À ta retour là. Et puis tu n'es pas dit non? Hein? Et quand ça s'agit plus là, il y a eu quoi? J'ai eu un mot de tête et puis je ne peux pas me réveiller le matin. Oh ouais, on va te laisser mourir. Faut qu'on le laisse mourir. Petit, tu vas mourir, on va te laisser mourir. Non. Tu fais ça, c'est pas toi qui es parti en Suisse. C'est pas toi. C'est pas toi qui es parti en Suisse. Gabriel, travaille avec ton frère. Ton oncle. C'est pas toi. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ça m'a rien de faire là. C'est pas toi qui chine en chant, tu gâtes. C'est pas toi. Il prend chance là. Il prend chance là comme ça. Tu es reparti. Tu es tombé malade. Donc tu es malade. Ah, c'est bon. Moi, j'ai prié ça, le monde dosé ça. Ta tante est couchée, toi tu veux la manger. Tu veux la manger. C'est pas pour toi, on a prié. Tu n'as pas dit d'aller laisser sorcellerie. Petit. Tu n'as pas dit d'aller laisser sorcellerie. Oui. Et pourquoi tu es parti? La laisse en fait de ta grand-mère. Ta grand-mère, la carte d'avoir, tu ne peux pas dire non. Hein? Donc ta tête te fait mal. Oui. Tu veux quoi? On a prié, t'as guéri. Hey, c'est nous qui t'a bravé. Ah, c'est lui qui t'a bravé là, c'est lui. On parle pas de photos, hein. Laisse, c'est l'image des enfants. Hein? Il t'a giflé où? Ça, c'est rien ça. Il vient me mettre ici là. Bah, ici. C'est rien du nez.
Chercher les gens comme on cherche la boutique aux gens. Si tu voulais la manger, j'avais faim. Moi, c'est ta grand-mère qui avait faim. Elle dit si on va partager. Elle va partager. Et toi, tu voulais pas manger aussi. Donc, tu es malade. Maintenant, moi, il y a qu'à faire quoi? Tu as cherché à faire. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Et encore. Tu allais chercher à faire. Et le type là t'a giflé. Il me dit qu'il venait à prier. Pourquoi? Il n'a qu'à dire quoi à Dieu. Et il n'a rien pardonné. Amen. Comme ça, il va laisser marcher. Donc tu restes ton camarade quoi, tu jouais lui. Il est ton jouet. Hein? Mais toi-même là, tu partais là. Tu n'as pas réfléchi qu'il allait te gifler. Et t'as rien fait, il s'est giflé. S'il avait poigné ici. Son corps est chaud. Il a prié, puis il y avait beaucoup de braise. Amen, papa. Amen. Comment tu as fait pour aller chez elle? Tu as fait comment? Ta tante là? Il faut partir. Hein? La nuit? En sorcellerie? Oui. Hein? Oui. Comment tu as fait? Quand ma grand-mère est partie au funérail, je me suis envolé. Hein? Je me suis envolé. Comment? Je me suis quitté dans mon corps et puis est passé dans ma tête. Et venu dans ton corps, t'es passé dans la fenêtre. Il est sorti, puis il est sorti, puis il s'est parti. Quand il s'est parti. Elle était où à Abidjan? Elle est chrétienne. Elle prie beaucoup. Tu peux aller manger enfant de Dieu. Ah, petit. Non, si il restait là, et puis il reste là, c'est bon. Et quand tu es parti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est arrivé, c'est la maison. Comment? Tu voulais y aller? Il est là. Je t'ai vu. Tu as fui. T'as dit que tu n'as pas giflé, tu n'avais pas fui. Il t'a giflé comment? Elle est là, elle est bien. Elle est là. Comment tu regardais? Il regardait comme ça. Elle est là. Hein? Il regardait. Si elle est là. Oui. Je n'ai pas senti. Je vais. Et tu as fui. Et tu es revenu. Et quand tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Ma grand m'a dit, il n'y a pas parti à l'essayer. Le gars a dit, pas il faut partir. Tu as pris de là. Tu as pris de là. Ah, français, il va rien, tu as pris de là. C'est français, il va rien, tu as pris de là. T'as montré qu'il y a mis sur une orange. Il dit, il n'y a rien comme ça. On dirait que sa tête est douée. C'est pas dans la maison de n'importe qui on regarde. Si Dieu pouvait faire de nos sorciers comme ça, que tous ceux qui te regardent, qu'ils soient giflés au nom de Jésus. Ton vieux mon télé, on t'embrasse, il n'y a rien. Sorcier ta voix. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Donc tu as regardé comment? Hein? Tu as entendu quand vous dites, ah vas-y, bon, viens. Comment t'as fait? Ah, il a bien placé la foule. Et puis il y a eu. Mais tu n'as pas dit que tu as laissé sorcellerie.
Hein? Tu as mangé encore bien. Et quand tu es venu, grand-mère dit, hé hey, petit, tu n'as pas compris ta mission, tu vois ça? Tu t'as dit quoi? Il n'a pas pensé, et puis elle m'a dit, moi je t'envoie, et puis c'est ça que m'envoie une fois. Elle dit quoi? Elle dit, moi je t'envoie, tu ne suis pas la mission, au lieu de prendre un de tes camarades, c'est moi qui m'envoie. Elle dit, comme tu as loupé là-bas, il faut envoyer quelqu'un. Mais tu ne dois pas l'envoyer. Et puis tu dis quoi? Il dit, si toi tu partais voir, c'était pas. Elle n'a qu'à aller voir pour un témoignage. Elle va rendre témoignage. Elle va voir pour un témoignage. Elle a qu'à aller voir pour lui dire un témoignage. Oula, mais vous jouez la vie des gens, hein? Vous jouez la vie des gens comme ça. Le gars, là, elle dort paisiblement. Et tu as les kilos d'aller regarder. Regarde ta taille. Qu'est-ce que c'est? Tu aimes ce sorcellerie, hein, toi là? Depuis 2013, combien? T'es le premier prix, on attrape ça, il y avait celui-là, les sorciers là. T'es le premier prix, celui-là. Tu laisses là. Moi, je vais prier, je vais guérir, c'est ça? Hein? Et dis-lui. Et puis, tu allais manger encore. Hein? Mais c'est pas lui qui m'a dit, il a dit non, je ne fais plus sorcellerie. C'est pas toi qui allais regarder dans la maison de quelqu'un. Hein? Ah, il dit c'est le premier, premier. C'est à la cour là-bas, là. Il y a le cimetière là chez Albert. Là. C'est pas toi? Si quand même les gens t'ont rejeté à cause de sorcellerie, j'ai payé ton avis. J'ai pas payé ton avis. Hein? Tu savais qu'il y a un front de la chute, tout ça là. J'ai pris son habit, ben les gens. Ce qu'il a dit, c'est grave. J'ai retrouvé sa vidéo. C'est sur YouTube, j'ai retrouvé ta vidéo. Non, mais tu laisses. Et tu allais là-bas encore. Comment tu as fait? Hein? La gamme était de Gogo là. Elle m'a dit, je veux t'envoyer à quelque part. C'est lui où? Elle dit, c'est ta soeur. Pour aller là-bas. C'est lui. Pour venir la manger. C'est lui, il est copain. Pourquoi tu dis pas non? Tu as dit, ma ouais, allons-y. C'est lui, il est copain. Hein? J'ai attendu l'œil à minuit. Hein, t'as attendu à minuit? Il t'a fait quoi? Il s'est passé. Elle dormait. Non? Abidjan. Il voyait aussi la personne. Je vais aller. Je vais répéter la parole. Je regardais à la fenêtre. Et puis, quand il y a mis la tête dans la mèche. Maintenant, tu veux qu'on t'a prié? Bonne tête à passer. Et pourquoi? Demande tes jeux. Pourquoi tu veux que c'est moi qui prie? Vous avez de lui, on va libérer la vieille. Vous avez de lui? Tu as réparti manger la femme là? Hein? Tu vas t'asseoir demain. Au lieu d'aller à l'école. La vieille, d'abord tu as gardé ton fils. Maintenant tu veux quoi? Je veux qu'il fasse. Hein? Je veux le délivrer. Tu veux quoi? Je veux que tu le délivres. Hein? Je veux le délivrer. Mais toi tu ne veux pas être délivré. Si,
De délivrer le fils seulement. Non. Comme ça, tu as mangé. Moi aussi, non. Il y a une vieille qui dit, il faut enlever un peu. Je suis dit, il enlève un peu seulement. Elle a parti au moment, il n'a rien resté. Et c'est trop. C'est trop. Je suis dit, c'est trop. Enlève un peu. Je dis, mamie, on n'enlève pas un peu. Enlève tout. D'enlever un peu. Non. Mais comment tu peux mettre un enfant au monde et puis à la base de son malheur? Hein? C'est ça? Comment tu peux mettre quelqu'un au monde et puis à la base de son malheur? C'est la sorcellerie. Hein? C'est la sorcellerie. Il n'était pas venu ici là. Est-ce que toi tu allais venir? Pas ici. Tu n'as pas dit à quelqu'un de te délivrer? Non. Hein? Non, tu aimais la sorcellerie. Vous pouvez appeler son fils. Et tu peux lui dire de venir? Il n'a pas venu. Hein? Ouais, vous l'appelez dans comme dans la semaine. Là. Voilà, parce que c'est important. Comme ça, on va voir son fils, surtout moi le. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Allez, vas-y. Oh, viens. Toi qui vas en Suède, là, viens. C'est quoi ça? Ah, tu parles pas? Le jour où tu retournes. Hein? N'a pas mouru. Tu portes cette action sur ta vie. Et que le jour où tu retourneras à cette sorcellerie, que tu sois foudroyé par la puissance de Dieu. Amen. Je peux avaler. Si tu veux. Tu as dit que ça m'a mis dans ta bouche. Tu peux parler. Oui, allez-y, allez-y. Elle ne marche pas bien. T'en mets dans une chaise. On t'assoit. Ici, on ne m'attrape pas les gens. On t'assoit. Attends. C'est elle qui t'a envoyé. Ou pas. Je n'aime pas les trucs comme ça. J'ai posé une question. Ceux qui sont sortis n'ont pas venu. Ils tentent de faire leur délivrance. Ici, on ne force pas quelqu'un. Hein. Celui qui ne parle pas, lui, ça va. J'ai demandé à la fille, elle a dit, sa maman va parler. Non, je t'ai demandé, parce que pour que tu parles, il faut d'abord me dire que tu es sorti ou pas. Oui. Hein? Non, est-ce que tu es sorti? Oui, je vais parler. Attendez, allez, écoutez. Hey, vous pouvez me dominer en parole. C'est vous qui avez besoin de moi, là. Oui. Alors, donc allez doucement, mon. C'est vous qui êtes venu pour qu'on vous délivre, n'est-ce pas? Oui. Alors, donc, écoutez-moi parler, c'est moi qui vous délivre. Je vous ai forcé. Hein? D'abord, je veux savoir si toi-même tu es consciente que tu es sorcier. Hein? Mais ton oui, il est petit comme ça. Hein? Quoi, hein? Non, attends d'abord. Allons sur le principe d'abord de est-ce que tu reconnais ta sorcellerie? Expliquez-le, hein? Tu vas rentrer dans beaucoup de détails. Tu vas rentrer dedans. Mais est-ce que toi-même tu es d'accord que tu es sorcier? Ah, je l'ai vu en train de t'envoyer. C'est toi-même. Attends d'abord. Faut pas m'énerver. Hein? Je parle doucement, allons doucement. Sinon, le rythme que tu as là, moi, il peut faire ça avec toi. Il peut faire ça avec toi. Je te respecte, respecte-moi. Je te respecte, respecte-moi. C'est pas il te respecte, je suis pas allé te soulever là-bas. C'est pas il te respecte. Vas-y, je sais que tu es sorcier. Je suis pas allé te prendre. Je respecte ta liberté. Tu es libre de parler. Tu es libre de ne pas parler. Or, si tu veux venir ici, je dois d'abord sûr que toi-même, tu vas être délivré de la sorcellerie. Sur ce principe-là, je peux maintenant te poser des questions. Oh, on entend le débat d'un truc. Est-ce que toi-même, tu es sûr que tu es sorcier? Hein? Hein? Oui. Ton oui est trop petit. Oui. Oui. Non, on n'applaudit pas. Pourquoi on applaudit? Quelqu'un est sorcier, on applaudit. Pourquoi? Un sorcier, c'est bon, je l'entends. Sorcier fait quoi chez vous? Sorcier là, il fait quoi? Sorcier. Il tue les gens, hein? Il tue les gens, oui. Il tue les gens. Oui. C'est tout ce qu'il fait. Il tue les gens. Je vais parler. Oh, répondez à mes questions. C'est moi qui pose pour répondre. Sinon, si on te laisse là, on va durer ici. Non, je veux résumer. Je ne veux pas que tu sois long.
Oui ou non, il fait quoi et puis tu rentres dans les détails. Sinon, je vais te laisser le micro, on va durer ici. C'est ça que je veux aller doucement, d'aller, pour pas qu'on soit long. Sinon, je vous connais. Tu vas vouloir expliquer ça pour qu'on te donne raison. Non, oui. C'est ça que toi, tu veux nous faire comprendre que tu es devenu sorcier parce que c'est bon. Je connais, je vous connais. Eh, doucement. Dans le travail, là, je connais ça, il n'y a pas de vie. T'as compris? C'est qui chante les faits, je suis en train de vous en dire. Vous-même, vous savez que quand vous mettez devant les gens en train de parler, ça vous libère. Vous savez ça? C'est ça, non? Répondez, le micro est là pour que vous répondez. Oui. Alors, vous-même, vous êtes conscient que quand vous commencez à parler devant les gens, vous-même, ça vous libère. N'est-ce pas? Oui. Alors, mais pourquoi avoir honte? Sorcier fait quoi? Il tue les gens, oui. Puis il fait quoi? C'est pas Elisa qui est devant moi, c'est toi qui es devant moi. Bon, il tue les gens, sorcier là. Il tue. Et puis il mange. Il mange. Et puis il gâte. Et puis il gâte. La vie des gens. Tout ces miracles. Ok. Donc c'est ce que toi tu fais. Hein? Ce que je fais. Oh. Oui ou non? Oui. Ah! Tu veux parler? Mm-hmm. Si tu te prends, toi, mais dis non, mais ça va, c'est bon. Tu me connais? Non. Oh. J'en ai des deux. Tu veux parler? Non. Quand je vais te prendre là, tu vas me dire pardon. Tu veux parler? Je ne parle pas. Ah. Moi, jamais. J'ai été libéré. Mamie, ce qui est en toi là, ce n'est pas bon. Comme ça, tes enfants vont plus avoir peur de toi. Donc, allons-y doucement, on va te libérer. T'as compris? Il ne faut pas avoir honte des yeux ici. On va t'aider. Donc, tu manges, tu tues et tu gâtes. On t'écoute. Je mange. Je dis que je mange dans un rêve. Non, m'arrête ta connerie là. Je mange. Quoi? Je mange l'homme. Ah oui? Pourquoi ça fait des rêves là? On parle de sorcellerie, tu parles de sorcellerie. Oui. Oui, c'est sorcellerie. Oui, mais là, ça fait des rêves. Sorcellerie là. Oui. Quelqu'un qui est sorcellerie là. Il mange l'homme, non? Il mange. Je me demande. Il mange, je parle. Je parle tout bon. Merci. Non, je suis ton papa. On dit papa. Ici, quand tu viens, je suis le papa de tout le monde. Mais qui comprend qu'il est là, il va venir. Oui, si, c'est vraiment important. C'est important. Viens. Il faut qu'elle se libère, soit libre de s'exprimer. Tu as raison. Assez. Et dans ce qu'on a dit, elle peut t'en parler. Écoute très bien. Elle m'a envoyé. Et puis je lui ai demandé de me faire bénir ces deux choses. Elle comprenait bien le français. Vous avez compris qu'elle a dit? Quand elle m'a envoyé, ça dit c'est une activation, c'est ma fille qui m'a dit de venir. Sinon, moi, je ne vais pas dire non. Mais je suis sorcier. Donc, ça dit, elle ne voulait pas venir, on l'a fait venir. Je la connais trop. J'ai dit. Non, prophète. Non, je vois ton fils. Je vois ton fils. Je suis sorcier. C'est qui est à mon cœur, et puis il est debout, ma petite fille m'a appris pour venir devant toi. J'ai tout dit, et puis tu vas mettre. Si tu caches, je dis. Si il est caché quelque chose ici, tu me dis, je vais expliquer. Non, j'ai dit, je connais. Mes enfants là, je fais vous les enfants. Tu as dit guérir, tu vas parler guérir. Nous, on va parler français, il n'y a pas de problème. Mais nous, malins, nous sommes. Donne-toi le micro. Nous sommes là, c'est maintenant que je parle de moi. Mais nous, dehors, Mani Diego. Elle a atteint des vies. C'est parce qu'il t'a demandé. La vieille, fais-moi cette mélangée. Voilà. Pas le français. Voilà. Mon français, on va comprendre. On va comprendre. Je comprends. Tous les français, ils comprennent. Sorcier là, il tue des gens. Oui. Sorcier tue des gens. Et puis il mange. Et puis il gâte. Moi. Toi, tu es sorcier. Oui. Tu as fait quoi? Ouais. Quand ma mère est morte là, c'est qu'elle m'a laissé au village, on est parti au funéraire. Et puis il m'a dit, sinon, et c'est ça que j'ai porté.
Tu es sorcière. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. J'ai sorcier. Tu n'as rien fait. Attends. Toi, pour toi, là, tu fais rien. J'ai sorcier. J'ai dit, j'ai sorcier, mon mari est mort, mes enfants. Oh. J'ai mis au monde. Ils sont deux. Tu les as tués. Tu les as tués. Oui. Tu as tué ton mari, tu as tué tes deux enfants. Moi, je comprends ton langage. Moi, je comprends. Elle te dit, hein. Tu es fatigué. Tu as dit que tu as parlé. Tu as dit que tu as parlé. Hein? Tu n'as pas fait de rond dedans. Tu veux être délivré ou tu ne veux pas être délivré? Je te demande. Donc on parle. Tu voulais parler fort fort tout à l'heure, non? Maintenant, je veux délivrer. Tu veux délivrer? Oui. Tu as tué qui? Mon fils, Moké. Tu l'as tué, Moké? Comment tu as fait? Il est mort. Comment tu as fait de le tuer? On ne s'est pas vu, du Tu as dit qu'on l'a tué. Ma chère, tu es tué, oui. Ouais. C'est sorcellerie. Tu as fait un fusil. Tu l'as tiré chez lui et tu l'as tué. C'est pas ça? Oui. Tu as tué ton fusil? C'est pas ce que tu as fait? C'est pas ce que tu as fait? Alors, mais quoi dit? Tu n'as pas tiré sur lui? Alors? Tu as bien de rentrer ici, rentrer ici. Mon petit-fils. Et puis ma fille. Il est bon là. En tout cas. Moi, je ne suis pas. Eh, va t'asseoir. Qui devant moi? J'ai tué. J'ai tué. Hein, qui devant moi? Tu as délivré, pas. Hein? Adiamiao. J'ai tué. Adiamiao. C'est moi qui ai tué. Bon, va réfléchir, va être nous fatigué. Annotation. C'est moi. Tu n'es pas sorcière. Je suis sorcière. Moi, j'ai dit, je suis sorcière. Mais pourquoi tu rentres comme ça là, tu tournes ici, tu tournes ici? Qui a mené ton nom là-bas? C'est moi. C'est toi qui l'as tué. Tu as tué combien? Depuis que tu es sorcière, tu connais. Tu as tué combien? Mes enfants, tu ne vas pas parler d'enfants, tu as tué combien? Depuis à l'heure, tu es malade ou bien? La vieille, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire. Annotation. C'est pas, non, faut pas les frayer. Mais laisse-la. La vieille, c'est pas moi qui t'envoie ici. Hein. Il dit tu vas parler. Hein? On a l'impression qu'on est en train de te forcer. On te force. Hein? C'est ma petite fille qui m'a envoyé. C'est encore un autre débat. C'est ta petite fille qui m'a envoyé devant toi. Devant ta mère. Hein? Oui. Tu t'es regardé. Pourquoi tu es regardé? Mais pourquoi je t'ai regardé? Moi je suis sorcière. Tu as me délivré. Voilà. Ah, je comprends français maintenant. Pour te délivrer. Moi je regarde pas comme toi, je délivre. Tu es dangereux, tu sais ça? Tu sais son moins? Oui. Tu sais que tu as un dragon? Tu sais que ça que tu as un dragon? Ah. Oui. La belle c'est que je sais les choses. Je dis oui. Donc je sais beaucoup de choses. T'as compris? Oui. On va t'aider. Faut pas avoir peur, elles vont rien faire. Nous, on va t'aider. Maman, là, on ne choisit pas maman. Elle est bizarre, elle est maman. Elle est façon, elle est maman. Mais ce qui est en toi là, c'est pas bon. Ça fait qu'on a peur de toi. Parce que tu as mangé l'homme. Ou bien? Ce serait qu'ils t'ont envoyé pour qu'on te délivre. Voilà. Sinon, tu laisses maman. À te délivrer. Tu vas aller gagner ta famille. Mais ce qui est en toi qui fait peur, ce qui est en toi, là, ça mange l'homme. C'est pas bon. Tu as compris? Voilà, c'est ce qu'on va lever. Or, toi-même, tu sais que tant que tu ne parles pas, on ne peut pas lever ça.
C'est pas ça? Mmh. Donc tu veux quoi? Qu'on enlève moi en cas de laisser. Enlève une coupe. Je ne veux pas. C'est pas une petite, hein? Votre maman, là, c'est une grande sorcière. Mmh. Tu reconnais que tu es grand, grand, grand sorcière. Mmh. Tu reconnais? Maintenant, tu n'as plus force. Quand tu poursuis les gens en rêve, là, tu n'as plus force. Hein? Tu poursuis les gens en rêve. Maintenant, tu n'as plus force. Tu n'as plus force. Vous ne savez pas que vos forces, là, ça a des limites. Hein? Vous poursuivez les gens en rêve, pétez-moi ou les tuer. Tu ne m'aimes pas. Tout ce que tu vas faire comme pratique, ça ne va même pas. Si moi, écris sur toi, tu vas casser ta chair tout de suite. Donc, il ne faut pas qu'on puisse te blaguer. Amen. C'est ce qu'il t'en vient de faire là. Il faut laisser ça. T'as compris? Tu ne peux pas, moi, tu ne peux pas m'embrouiller. Tu ne peux pas me faire tomber. Ça, il faut te dire ça. Le démon qui est en toi qui te blague là, il va te blaguer cadeau. Donc, ton cœur là, blé, 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 blé. T'as compris? Tu ne me mouilles pas. Tu es d'accord avec ça, non? Oui. Que tu ne me mouilles pas, non? Oui. Ok. Tu es d'accord avec toi? Oui. C'est moi qui dis que ma fille n'a quand même pas. Il faut laisser, mais c'est ça qu'on est en train de faire. C'est lui qui t'a envoyé, je ne sais pas si je cherche maintenant. Je cherche comment te délivrer. Vous connaissez vous les sorciers? C'est le boulot le plus difficile au monde. C'est fatigant. Ils sont comme les terroristes. Quand tu peux arracher les avions à un terroriste, Fabien, ils ont dit non, on va l'écouter. J'ai dit, tu vas écouter lui là. Il va vous tourner. Mamie, tu fais peur. Pas parce que tu es maman, pas parce que tu es vieille, parce que tu as quelque chose qui n'est pas bon. Ça mange l'homme. T'as compris? Et puis tu as dragon. Ah, c'est faux. C'est vrai? Ah. On va les délivrer. Délivrer. On t'écoute. Il y a quatre personnes. Non. Comment on parle? Tu me demandes? Non, je pense que tu me demandes. Non. Moquer. Gadis. Si tu as laissé une seule personne dans ce qu'on appelle, c'est pour ça que j'ai envie de t'aider. Et je suis en train de t'aider. Le nom que tu as tué, je connais. C'est pour ça que je suis en train de. Si tu as laissé dans les aveugles, non, tu vas moi, tu vas manger. C'est moi, tu vas manger ta viande. Hein? C'est moi, tu vas t'as la viande. C'est moi. Ok. Je suis en train de t'aider. Il ne faut pas qu'on sente qu'on est en train de te forcer. Il ne faut pas qu'on sente qu'on te force. Parce qu'on ne peut pas te forcer. J'ai demandé quels sont ceux qui veulent te délivrer. Tu viens, tu es libre. Tu dis, tu voulais parler en guérir. Tu l'as fait venir. Tu es libre. Pas une sorcellerie là. Quand on gagne ça, c'est pas bon. Mais on peut t'enlever ça. Nous, on enlève ça. Et quand tu es une mère, tu es une maman, on ne peut pas te jeter. Nous, on a réconcilié des gens qui ne voulaient plus pour mes parents. On les a mis ensemble. Mais on ne peut pas te laisser aussi à une sorcellerie. Non. Non. Moi, je suis désolé. Tu as gâté les gens. Laisse-moi. Tu es là. C'est jusqu'à 63 personnes, ça t'a tué. Maintenant. Non. Je réponds. Je dis, il m'a parlé. Je dis oui. Je dis oui. Pas pour gâter. Non, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Comme il a trouvé, c'est ça. Tu es étonné qu'il ait trouvé ça. Tu es étonné, non? C'est ça. Tu es étonné que j'ai trouvé. C'est ça, tu as trouvé. Moi, je connais ce travail. Amène-moi en Chine. Je vais les prendre. L'année prochaine, je suis au Cameroun. J'ai fait une tournée. Ils vont comprendre que ce n'est pas à cause de Bosano. Je suis trop près. On a même plus de. On a plus de. Quoi faire? On a fini. J'étais au Cameroun, vous allez voir les vidéos, on va vous montrer. C'est pas bon. Tu as compris? Mamie, c'est pas bon la sorcellerie. Tu as tué 63 personnes. Hein? Non, c'est pas bien. On t'a dit oui. Oui. Ah, c'est oui comme ça que je veux. C'est ça? Je mens ou c'est vrai? Je mens. Non. Ce qui est dit 63 là, c'est vrai ou je mens? C'est faux, mais c'est vrai. Non, je n'ai pas son passé. Non. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu as tué 63 personnes. Tu dis 4 ou 5. Moi, je veux que
Le prophète, tu as mes désirs. Mais je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider. Pourquoi on va de l'eau? On va vite. On va vite. C'est pour ça qu'il a coupé court. Sinon, tu viens marcher sur ta manière d'esprit là. Où tu as trouvé le dragon? Où tu as trouvé le dragon? Dragon est un cousin d'âge, ouais. Je t'ai déjà trop aidé. Hein? Je vais te sentir ta bonne volonté. Il faut nous prouver que tu veux. Il faut nous montrer ça. Dragon, je ne veux pas. Où tu as eu ça? Oh, faut pas l'enlever. On y a dragon. Tu as acheté ça avec qui? C'est un cousin, on y a un bagnon d'Azé. On y a un cousin de bagnon. Tu as vu que tu as fait des vents sans loin? On y a un. Peut-être. À toi. C'est un cousin de bagnon d'Azé. On y a un. Elle a acheté. C'est faux? Ah, tiens, c'est faux. Quand tu dis « on », ça veut dire tu veux dire qu'il ment. Non, il n'aime pas, il n'a pas. Ah tiens, c'est des... C'est faux. Hein? Il s'est dit. Ah, c'est des deux, il y a un, ouais. Non, allez, doucement. Allez, doucement, il va payer. Il s'est mon père. Tambri. On va l'aider. Tambri. On va l'aider. Tout compte fait, elle a besoin de notre aide. Elle a besoin de ton aide. Elle a besoin de notre aide. C'est une maman qu'on va aider. Tu as compris? Seigneur fait. Là, il faut la délivrer. Ouais. Voilà. Tout qu'on fait, elle est dedans. Ouais. Elle a rien fait. Mais regardons-la comme une mère qu'on nous-mêmes doit sauver. La neveu, ce que tu peux faire aujourd'hui pour elle, c'est ce que tu es en train de faire. Ouais. Si elle a été mauvaise, pas parce qu'elle voulait être mauvaise, c'est l'esprit qui a fait qu'elle est devenue mauvaise. Maintenant, tout ce que tu peux faire pour elle, c'est ce que tu es en train de faire. Ouais. L'aider à sortir dedans. Donc, on va aller doucement, et puis on va l'aider avec amour. Tu seras choqué, mais on va faire avec. Ouais. Tu as acheté ça avec qui? David, ça est sur moi comme ça. Oui, c'est déjà vu que ça a dit à mon prophète aussi. Ça est sur moi comme ça. Non, moi je ne vois pas clair. Il ne vous dira pas ton. Hein? Pardon. Je ne vois pas clair. Pardon. Je vois clair. Tu as acheté ça avec qui le dragon? C'est une femme qui t'a vendu ça. Il y a une femme qui m'a vendu ça. Tu allais prendre ça pour renforcer ton pouvoir. C'est qui? Tu attends devant ça long, hein? Sinon on allait partir. Quand tu dis, on continue. Quand tu dis, on continue. Elle ne vient plus. Non. Tu te souviens? Il y a un prophète, papa. Si tu vois. Ah. Une femme là, elle ne connaît pas son nom. Elle s'appelle Juliette. Juliette. Hein? Elle s'appelle Juliette. C'est elle qui t'a vendu le dragon. Oui. Hein? Oui. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Ok. Je suis en train de t'aider. Hein? Oui. T'as compris? Oui. J'ai fait beaucoup de choses déjà. Oui. C'est pour dire que je connais. Oui. Allons-y. Pourquoi tu as acheté le dragon avec Juliette? Parce que tu voulais avoir beaucoup de force. Hein? Tu veux avoir beaucoup de force. Tu lui as donné quoi? Tu l'as acheté à quoi? La chance de tes enfants. Tu as vendu ça. Tant que de mes enfants, il a vendu ça. À la fin, elle t'a donné le dragon. C'est pas ça? Ah, il te demande ou bien? Attends, faut pas l'influencer, attends. C'est ça?
Hein? Jurette. Tu as vendu la chambre de tes enfants là. C'est ça? Tu as vendu et toi t'as donné le dragon. C'est ça? Mamie, oui. Tu veux qu'on s'en va? J'ai dit, monsieur. Oui, prophète. Moi, je suis devant toi aujourd'hui. Je vais monter. Non, il faut laisser après de te devant moi. On n'a pas avancé. On n'est plus à ce stade de devant moi. Ce qui est vrai, c'est que tu es là. On avance. J'ai dit, tu connais ce que tu dis, c'est Juliette. Tu lui as vendu la chance. Elle t'a abandonné le dragon. Tiens. Toi, tu as donné la chance de tes enfants. Non, mais le dragon, là, il prend. C'est à moi que tu demandes. C'est pas, il est pas là. Juliette a abandonné le dragon. Tu as acheté ça avec elle. C'était ça dans ta main. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Tu n'as pas donné la chance de tes enfants? Ah, c'est ce que je veux, parce que c'est pas bon, faut qu'on reprenne ça. Ou bien? Oui. Ah, c'est pour ça que c'est important que je parle de ça. Quand tu as donné le dragon là, tu as donné chance, c'est monnaie. La vente c'est quoi? C'est l'échange. C'est ce qu'on appelle vente. C'est des trucs. C'est ce qu'on dit vente. Tu as donné moi quelque chose. C'est ce que tu as fait. Ou bien? Il y a beaucoup parlé. Hein? Ok, allons-y, t'écoute. Il t'a donné la chance de qui? J'ai trop parlé. Il y a un tas. C'est qu'il y a dit là. C'est qu'il y a dit là. Les enfants là. T'as moqué mon mari. Je suis fatigué. Là, qui fait là? Demain là, il y a culte. Il doit prier pour les gens. Non. Je t'ai pris. Faut pas te montrer. C'est ça, il dit. Les enfants là. Il a vendu mes enfants. Juliette. J'ai donné mes enfants. Et puis, elle t'a regardé. Mais c'est pas. C'est elle m'a donné ça. Ah! Oui, il te demande maintenant, c'est quel enfant tu as donné? Quelle chance d'enfant tu as donné? Les enfants de c'est quelle chance de quel enfant, quel enfant tu as donné? Regardez. Tu vas guérir, tu comprends français? Je ne comprends plus français. Dragon Adrien. Des Juliettes quoi? Elle s'est pris des Juliettes. Bon, c'est des gens. Pardon. Papa. Vous faites pardon. Délivre-moi, pardon. Moi, je suis prêt à te délivrer. Mais on ne peut pas passer tout le temps avec toi. Tout le monde est là pour délivrer. Nous, conscience, on va quoi. Monnaie, Léa. On peut partir qu'à midi, elle veut 14h, 15h. Allez, bouge, je vois là. Hein? Non, c'est pas grave. Mais il faut la rassurer qu'elle sera délivrée, c'est important. Il faut qu'elle soit rassurée et qu'elle est venue pour être délivrée. Il faut qu'elle sente ça. Parce que chez eux, on ne dit pas ça. C'est un secret. Moi, je la comprends. Mais on a besoin de ça pour qu'elle soit délivrée. Mais faut qu'elle y ait vous. Voilà. On a besoin de ça pour qu'elle soit délivrée. Comme vous voyez, on va faire demain. Hein? Après. On n'est pas contre toi. Oh. Tu as compris? Tu as mangé quand tu es venu, gosse. Tu as mangé bien. 63 personnes, c'est trop. Sauce choco, sauce blé. Eh bah. Amen, tout ça. Et vous, moi, prie, amen. Amen. C'est énervant. Vous pensez que vous les sorciers, on ne peut pas vous dire ce que vous avez fait, ce que vous avez fait. Mais c'est ça, il faudrait qu'on vous enseigne l'amour. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. On va prier. On va prier et demander au Seigneur de nous délivrer. Amen. Amen. Voilà, nous allons s'en prier.
Et nous allons demander au Seigneur de nous délivrer. Prions ensemble le Seigneur. Nous ouvrons la bouche et nous prions le Seigneur. Comment vous prier? Nous prions le Seigneur. Nous prions et demande au Saint-Esprit de te libérer. Demande au Saint-Esprit de te libérer. Nous prions que la puissance de notre Dieu manifeste ce soir. Que sa présence nous libère ce soir. Que Jésus-Christ soit Seigneur. Que les chairs de la captivité détruisent dans le nom de Jésus. Nous détruisons le pouvoir des ténèbres et nous proclamons la sainteté de Jésus. Nous prions que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Continuez de prier. Amen.